Je relance l'enregistrement. Et je relance le son. Vas-y, Mona, fais l'intro. Mais non, t'as plus le droit de demander. Ah ouais. Pourquoi ? S'il te plaît, ah. Mona, tu peux faire l'intro. Dépêche-toi. Allez, Mister T, fais l'intro. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Non, 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 ça. Tu fais comme. C'est comme Mayuko, elle fait juste bonjour. Et puis elle. Coucou. Voilà. Coucou. Vas-y, Edo, fais l'intro. Toi, tu l'as fait bien. Yo tout le monde, c'est Edo, Aurélien Sama, ML2G et Mona Vivi pour un nouvel épisode des Survivalistes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode haut en couleur et en faille, car nous allons affronter un gros serpent vert. Oui, exactement. Le vla, il est là, il a des gros yeux, regarde. Non, c'est juste ML. C'est juste ML. Voir, t'as vu, ML, c'était un peu une intro de professionnel, ça. Ah, oh, mais attendez. Ah, tout à attendez. Fait, c'était propre. Attendez. Oui, on mais attend. Attendez, hein. On attend, ouais. Attendez! C'est un peu long. Oui, ah, on attend. On a des oui. champignons ici. Je vais dans un barrel de water. Water? Je mets dans la Nether Ward. Et. Il se passe rien. Ah! Ah! Mais normalement, ça fait de la witch water. Ou alors il fallait autre chose avant, je sais plus. Witch water. Ah, il faut water. Du brine avant. On ah a oui, pas il de faut brine. Du brine. Alphonse Brine. Et du brine, c'est du salt water avec du vinegar. Vinegar. Et salt water, c'est quoi, c'est quoi? On a plein de vinegar. Salt water, c'est de l'eau salée. Je sais pas. Hein. J'aime bien, il est en mode, c'est quoi alors le. C'est quoi salée. Vous le savez c'est de l'eau salée. Ah. Ouais, du coup, à se faire le naga. Mais j'aimerais au moins lancer des potions. On n'aura pas besoin de potions pour se faire le naga, honnêtement. Parce que de toute façon, on peut pas faire de potions de heal. On peut juste faire des potions de force jusqu'à maintenant. Ce qui est bien, hein. Mais dans notre cas là, ça nous aidera pas grand chose parce que le naga il me semble pas qu'il résiste beaucoup à nos attaques du terraformacraft. On peut dire que Jésus a été crucible sur la croix, non? Oh! Absolument pas. Je n'approuve pas. Enfin, peut-être un peu quand même. Pas très très gentil, hein. Bah, c'est pas méchant non plus. Ce pauvre Jésus quoi. Brain. Voilà, Witchwater en cours de création. Nice, on va avoir de la popo. Eh, hey, pss, Edo. Quoi? Non, rien. Ouais. Ok. Non, tu dois faire comme ça. Attention, Edo! Viens là, Edo, vite! Vite, Edo! Vite! Vite! Regarde, j'ai mis un pot de fleurs juste à côté de toi. Non! Oh, Nazdorovi! On est. Mais oui, ça fait un moment. Ça fait un moment. Moi, je sais pas, j'ai gardé une mauvaise expérience, tu vois. Ouais. Non, mais faut jamais partir sur une défaite. Je vais prendre un peu de saké. Si tu veux, T'es un peu en dégoût de la vodka, du coup. Ah, j'ai fait une mauvaise cuite l'autre jour. Serre-toi, Mona, serre-toi. Si tu veux vodka, saké, on fera du rhum aussi. Vous êtes prêts? Oui. Trop vieux. Kampai! Oh, 4 bouteilles en même temps, c'est encore plus jouissif. Mais avec modération. Oui, une bouteille par épisode seulement. On devrait se faire un concert de jute aussi plus tard. Ah oui, à 4 ça peut être rigolo. Carrément. Enfin, chacun fait une note et du coup ça fait. Faudrait qu'on retrouve une zone de gabbro, je sais plus, on avait noté ça. Gabbro? Oh, ouais, gabbro, je sais à peu près où il y en a. Enfin, si je me souviens bien. On verra après du coup, parce qu'il faut qu'on retrouve une zone de gabbro pour trouver du. Garniérite pour avoir du nickel et pour pouvoir justement se faire un stockage d'énergie. Ok, ce serait nickel. Ouh oh, excellent ça. Ça sera pour un prochain épisode. Mais d'abord, naga. Tan. Est-ce qu'on attend d'avoir une potion de force avant de faire le naga? Bon, on en aura pas vraiment besoin, mais c'est juste pour le. Je sais pas, pour le principe. Swag. On pourrait. Oui, nous le pouvons. Un seul double shit et je peux faire une deuxième. Il t'envoie pas moi. C'est pas. Non, j'ai vu le verre qui venait vers toi, mais non, c'est pas toi. Je les contrôle pas. Ouais, c'est ça. La limonite, il faut du fer pour faire du fer. Faut du fer pour faire du fer. Donc la limonite. Prends dans ce coffre-là, le coffre en bas. Mais enfin donc, c'est de la folie. Tous dans la maison. Oh, Edo, il dort dans le lit de Mona. Ah bon? Moi, je suis tout vu. J'ai honteux. Tout vu. J'ai pris un lit. Moi, je dors à côté de ML. J'ai pété ML. Ah non, c'était moi.
Non. Ils mélangent leur paix. C'est pour la paix dans le monde. On a dormi d'ailleurs. Pour pouvoir partir. On avait vraiment besoin de dormir comme des faibles. Oui. Tu viens avec nous, Mona ? Je suis pas sûr. Tu peux nous regarder de loin et juste rigoler. Si je te tape d'eau, tu sens rien. Ok. Ok. Ah, il y a des bananes. 60, j'ai pris. Ouais, les bananes et les oranges. On les récoltera après. Let's go. Tu viens avec nous, la vache. T'as une bonne arme. Vas-y. Non. Tête nucléaire. Tête nucléaire. Regardez toute l'énergie qu'on fait et qu'on récupère pas. Qu'on récupère pas, tout à fait. Tu veux pas un sandwich à la banane et au poisson, je sais pas moi, ou à la vache, au steak. Banane poisson, tu veux me donner envie de vomir? Oh oui, banane poisson. Avec une petite patate là. Oh non, des oignons, ketchup, là. Des tomates, je sais pas. En avant, cher chevalier. Allons pourfendre la bête. Le serpent géant. Qui m'a fait grande peur la dernière fois que j'y étais et que j'aimerais me venger. Allons nous venger. Ah, des moustiques! Bataille en retraite, des moustiques, bataille en retraite! Les gars, ils vont affronter un boss, tu sais, qui font à peu près 30 mètres. Non, bataille en retraite, il y a des moustiques! C'est à peu près ça, franchement, c'est vers là! J'ai la jauge vie du naga. Il est le naga? What's up? Merci beaucoup en tout cas. Évitons de rester trop groupir, ou sinon il va peut-être nous tuer plusieurs à la fois. Il est là, à droite. Il y a attends, des moustiques qui nous attaquent là. On se bat contre des moustiques, nous. Attends, je vais péter les spawners qu'il y a dans la structure là parce que. Il est coincé, ce con. J'aime pas trop beaucoup ça. Il est coincé, ce con. Regardez, il est coincé, ce con. Ah oui. Venez attends, voir. Je vais le débloquer. Aïe. Ouh, il est bugué surtout. Je prends des dégâts de. Ah oui. Aïe. Tu vois, faut atteindre c'est la tête. C'est quoi cette hitbox là? Attends, F3B. Je suis sûr qu'il faut atteindre la tête. Aïe. C'est où voilà, il fait des dégâts. Il est débloqué. Il est débloqué. On a débloqué le personnage. What's up? Faites gaffe, dans la structure, il y a les squelettes qui envoient du feu. Ouais, puis c'est un naga qui est multicolore, hein, donc... Il est mort. Voilà, ouais, merci. Sérieux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit un pouce vert, un pouce bleu, ou quoi, un commentaire. Voilà. What the fuck. Bah, j'ai dit que les nagas, en fait, ils avaient du mal à résister, en fait. Ah oui. Du coup, je me demande si l'hydre aussi, franchement, on pourrait pas la tuer, on a rien de temps. Ça vous dirait d'aller rechercher une autre hydre et. Let's go. Let's go. Moi, je dis let's go. Oh, j'en vois une autre, je pense, de structure d'hydre. Ça vous dit une hydre? Let's go. Allez, pas du tout. Je regarde de loin. En réalité, c'est violent quand même, l'hydre. Hein. Je me souviens qu'Amel était mort quand même sacrément. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de la moquerie dans les commentaires, donc je serais partisan d'y aller. Mourir quoi, tu vois, c'est pas cool de mourir. Surtout que là, on pourra pas récupérer un autre tombe. Hein. Monsieur. Ah oui. Amel, il est chaud. Monsieur. Je suis juste curieux de voir en fait quel genre de dégâts on arrive à lui faire en fait. Bah, moi, j'ai déjà, faut que je régène 300 PV là. Okay. Ouais, moi aussi, je suis très bas niveau vie. En plus, la nuit commence à tomber. On retourne un peu à la maison, on régénère notre vie et puis on y va. Oui, il faudrait qu'on fasse un épisode Temple de l'eau aussi. Exactement. Temple de l'eau ? Ouais, pour la source de chaude avec les blocs qu'on a ramenés. Ah, yep. Ouais. Bah, il faudra. En fait, on devrait avoir un épisode où on fait les chemins, la source d'eau chaude et un peu de tout, quoi. Je sais que c'est un peu cliché, mais tu pourrais faire la cuisine pour nous, Mona. Oh. Candale, dans les commentaires. Réagissez en commentaire, c'est honteux. Mais non. Avoir honteux. Du skills en cuisine sur Terra Firma Minecraft n'influence rien. Et du coup, on récolte les bananes. Ok, je récolte les bananes. Ouais. Pourquoi elles sont déjà ouvertes, comme si quelqu'un avait déjà commencé à les bouffer? Là, j'ai fait une full pêche. Mona fait une full pêche, attention. J'y ai pensé. Moi aussi, mais j'ai rien dit. Sur vos écrans, Mona fait sa plus grosse pêche. Oh les gars, c'est immature. Les commentaires vont être beaux. Moi, j'ai fait un autre barrel de vinaigre, pour être sûr. Ah, vous avez la witch water qui est prête. Ah, nice. Ah bah, on pourrait la voir pour l'hydre. Bah voilà, allez, let's go. Je fais une potion de force, attention. Attention. J'ai bien dit attention. Oui, on a entendu, hein. Et c'est parti, le Nasdrovi. Potion of Strength. T'as lancé un truc de whisky? J'ai lancé un truc de... Non, je vais pas lancer de whisky, j'ai lancé un truc de force. On va se lancer un petit truc de whisky. Non, alcoolique. Tiens, Edo. Ouais, orange. Cadeau.
Non, j'en veux pas. Arrêtez de me donner toutes vos merdes déjà que j'ai un inventaire. Monsieur, t'aimes bien. Quand t'as vu le disque, t'as dit « Oh, un disque !» Ouais. Là, voilà ton disque. Bon, dès qu'on a les potions de force, on se refait une vraie hydre. Genre sérieusement cette fois-ci, pas en la regardant mourir de loin. Enfin, il nous faut 3 au moins potions de force, puis il y a Mona qui regardera de loin en rigolant. Je vais me faire une chaise. Non, oh, tu ouais. préfères une chaise. L'autre. Non, mais oui, ok. Non, mais ouais. Mona se fait une chaise, quoi. Au calme. C'est dommage, il n'y a pas de popcorn. Une chaise, il n'y a pas de popcorn. Si on en a du corn. Ouais, mais on peut pas en faire, c'est triste. Beaucoup non, trop mais... puissant, ah, quoi. On a une potion de force. Oh, que oui. Ah. Qu'est-ce que. Mais. Waouh. Wow, je pense qu'il y a encore des pêches qui ont poussé derrière la maison. Enfin, sur le côté droit. Ouais, bah des pêches. Oh, excellent. Dépêche-toi. C'était un peu drôle quand même, non? Ah ouais. C'était magique. Méga drôle. Il y a de la sugar cane aussi qui est battue. Top délire, méga drôle. Top délire, méga drôle. Bah non, j'ai fail. Qu'est-ce que t'as fait? You fail. Ah, bah oui. Et toi? Ouais. Tu t'es trompé? Ouais, je sais, ouais. T'as vu que tu t'étais trompé, Edo? Oui. Genre, tu vois, là, c'est pas bien mis. Oui, j'ai vu. Tu vois, là, le bloc, là, il devrait être là. Edo, tais-toi. Ta pioche. Quoi, ma pioche? Bah, utilise-la, tu t'es trompé. C'est avec Strength, quand même, 130 d'attaque damage, hein, 30% de dégâts en plus, c'est pas négligeable. Ouais, ça va. Et pour ceux qui se demandent le niveau 2, c'est ouais, c'est faisable, hein, mais un peu embêtant. Donc en gros, pour le passer de niveau 2, il nous faut des cranberries, un full fruit de cranberry, fuck la logique, et un full truc de sucre, plus une glowstone. Ah oui. Pour une potion. Hein. Attention, ouais, t'es prêt. T'es prêt. Oh, vas-y. Pim. Oh yeah. Qu'est-ce qu'il y a, Edo? Il y a un trou dans le toit, tu t'es trompé. Bon, il y a des pierres différentes, c'est pas très grave. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de trou en plus. Eh oui, qu'est-ce Edo, qu'il y a? Edo, il y a des pierres différentes là-haut. Edo, tu t'es trompé? Edo, tu t'es trompé. T'as fait ta chaise, Mona? Non. Quoi? Attends, je te la fais. Enfin, j'ai vu les tabourets, mais j'ai pas vu de chaise. Tu sais, il y a des chairs. Je l'ai vu. Attends, non, c'était pas... Quel mode, c'est les chaises? C'est Bibliocraft. Si, c'est Bibliocraft, mais c'est des tabourets, c'est pas des chaises. Mais ici, tu peux faire une chaise, tu mets des modules dessus, ça devient une chaise. Sur le tabouret, tu mets un dossier. Ouais. Ah, ouais. Il faut de la wool cloth, c'est juste de la wool yarn. Vas-y, on va faire une chaise. Allez. Je vais faire une chaise. Vous êtes prêts? Bim! Stop it, Ran. Levez son. Je peux mettre du caillou dans le sieve. Voilà, ah, j'ai ta chaise. Bon, c'est un tabouret. La dernière popo est bonne. Venez, mes très très chers confrères et consœurs. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs. Venez, mes confrères et consœurs. Venez à moi, mes enfants. Ah, horrible. Parce que je suis le berger qui guidera vos pas vers cette nuit sombre. Comment ? Tiens, une potion de strength pour toi. Une potion de strength pour moi. Une chaise pour Mona. Oui, chacun a son sens de priorité, je suppose. Pas boire tout de suite, évidemment, hein. Fait que 3 minutes. À boire tout de suite? Non! Ça ne fait que 3 minutes! Pas de nage de levier tout de suite! Ils ont tellement l'habitude de lever le bras. Oui, dès qu'il a une bouteille de quelque chose, il est en mode. Un nage de levier! Ah, c'est quoi? Il fait la lessive, il prend la bouteille de lessive, nage de levier! Ouvrez! Oui. Elle chauffe. Il m'en faudrait une autre. T'as fait semblant de la boire. Non, je sais parce que t'as pas l'effet de potion sur toi. Tu me prends pour. Ah zut, il est pas si bête, hein. Ça va sur ta chaise? Très bien. Regardez-la. Regardez-la comme elle se la pète avec sa chaise, là. Ah, je me suis pris l'épée dans les parties. Suivez le mec avec un drôle de chapeau. Qu'est-ce que t'es beau? Attends, Edo, je passe devant. Viens, Auré. Viens, Mel. Ah non. Tiens. Un Enderman dans l'eau, what the fuck, il est con. Ah, c'est pas moi, là. Qu'est-ce que vous faites? Ah, bah... Mais vous êtes pas possible! Oh le chapeau! Mais vous êtes pas possible! Oh, on arrête de prendre nos livres ou autre chose parce que là il fait nuit quoi. Arrête-toi, bateau!
Et on est en plein milieu de l'année. Mon chapeau. Enfoiré. Tu mérites que je te fonce dedans. Non. Je vais mourir. Je vais mourir. Alors avant, l'objectif ça, l'hydre, ça l'objectif c'est de survivre jusqu'à l'hydre. Vous allez jusqu'à... Il y a un petit lac là, normalement on peut naviguer jusqu'à à peu près là où il faut. Ils envoient des grosses boules. Ouais, tu navigues, c'est bon. Moi là je suis en train de naviguer. C'est vraiment des ghasts en vrai. Ils envoient vraiment des boules. Ouais. Ouais, les insectes ils font mal. Ah, bon bah rip. Non. Donc si, parce que je suis coincé contre lui et il me porte. Ah, fuck, non. Mona. Notre observatrice qui devait confirmer notre victoire. Attends, c'est bon. Tu l'as sauvé? Oui. Allez, dans le gros lac, on sera tranquille, on va attendre le jour dans le gros lac. Et on est juste à côté, normalement, je pense, de là où il y a une hydre. Enfin, ça ressemble en tout cas à l'endroit de spawn d'une hydre. Ça va, Mona? Tu t'en sors? Avec 200 PV, ouais. Oh, ça suffit, hein. C'est bon, tranquille, c'est qu'une hydre après tout. Mais elle ne va pas contre. Hein? Quoi? C'est pas moi! T'es sérieux? Notre combat contre l'île, t'es sérieux là? Je suis sûr qu'il le regrette très profondément. Allons voir, si vous le voulez bien, du côté de chez ML et de ses regrets. Après tout, il doit bien avoir regretté de tuer Edo, non? Allez dans le gros lac, on sera tranquille, on va attendre le jour dans le gros lac. Et on est juste à côté, normalement, je pense, de là où il y a une hydre. Enfin, ça ressemble en tout cas à l'endroit de spawn d'une hydre. Oui. Ça va, Mona? Tu t'en sors? Avec 200 PV, ouais. Oh, ça suffit, hein. C'est bon, tranquille, c'est qu'une hydre après tout. Mais elle ne bat pas contre. Quoi? C'est pas moi! T'es sérieux? Notre combat contre l'île, t'es sérieux là? Je suis sûr qu'il le regrette très profondément. Oh, tu l'as écrasé en bâton, c'est ça? J'ai un peu forcé avec mon épée aussi. Non, lance! Enfoiré! Mais oh, quelle enflure! Bah, tu viens, ML. Maintenant, c'est ML qui se fait lit toute seule. Voilà. Moi, je le regarde. On dit tout seul, pas toute seule, s'il te plaît. Non, parce que t'es une petite merde. Voilà. Oh, c'est dit. Je veux que ce soit clippé. Ah, ça va être clippé, déformé. Hein. Voilà. Vous pouvez récupérer mon stuff au moins? Bah, il est dans sa tombe. Vas-y, en fait, c'est toi. Ta tombe, elle flotte. Il y a bien une hydre. Ouais. Au milieu de l'eau. Ah ouais, mais c'est à 700 mètres. Oh, bien 300 000 mobs aussi. Merci, hein. Il est content. J'ai pas fait exprès. Attention. C'est cela. T'as pas fait exprès. Non, c'est juste avant de faire ça, t'as pas fait exprès de pas me tuer. Ah ouais, l'hydre, elle est dans le château, là, cette fois. Elle est au sommet du château. Elle bah, stylée, en plus. Comment dire Bonne chance, Emel. J'hésite à... Ah, non, je vais quand même t'aider. Ou alors on attend Edo, mais il n'aura pas beaucoup de points de PV. Non, vous le faites sans moi. Ouais, c'est ce que je me dis. Attends, je prends tout ce qu'il faut niveau bouffe pour être sûr. N'attire pas trop. Parce que moi, j'ai plus que 200 PV du coup. Je pense qu'il faut l'attaquer l'un l'autre d'un côté à l'autre, comme ça elle peut pas nous tirer dessus. Surtout qu'elle a plusieurs têtes. Il faut une hache. Bah là, je suis derrière un arbre et du coup, elle me target, mais elle me tape pas. Moi, je suis juste à la base de sa forteresse. Est-ce que je peux rentrer dans sa forteresse? Il y a des spawns dedans? Ah mais j'ai pas de scie. Oh ça va être chiant. Ok, je suis dedans là. Je suis derrière. Ah ouais, vas-y. Oh ok, on est juste en dessous de l'hydre. Je prends la potion de strength. Ah, le clip a été fait. Auré, je voudrais que tu le mettes dans l'épisode. Oh le clip. Oh la vache. Wow. Ça va encore. Elle a pas fait si mal, elle avait juste brûlé, hein. Elle est déjà morte? Non, elle est loin de là. Fait des drôles de bruit, hein. Attention, elle crache du feu. Ouais, tu sais, tu prends juste des dégâts de feu, non? Ouais, là je prends des dégâts de feu. Mais c'est tout. Je vais péter mon épée avant qu'elle crève. Elle a beaucoup trop de vie. Par contre, elle fait mal au bout d'un moment, hein. Ouais. Ramène-toi, Edo, en réalité, si tu restes... Je suis en train de marcher, mais c'est long, j'ai pas de bateau, j'ai rien, en fait. Ah. Il a pas repris de bateau. Pas repris de bateau. Par contre, sa vie, elle régène, hein. Parce que j'ai pas de scie, il y a plus de scie. Il aurait fallu que je recrafte une scie pour faire des planches et tout un truc.
Le feu, c'est quand même assez terrible. Hein. Il nous faudrait de l'eau ou autre chose. C'est bon là, non? Elle arrive pas à me tirer dessus, hein? Moi, elle me tire dessus. Non, y en a pas. Ah, si, elle arrive à m'avoir d'ici. Dommage. Je régène un peu. Elle hein. diminue. Ouais, viens ouais. nous aider, Mona. Je vous aide. Ah, tu nous aides? Ah bon? Regardant. Allez les gars, on y va. Voilà, c'est comme ça qu'elle vous aide. Non, mais please, viens nous aider. Mais il nous faut plus de dégâts, il nous faut plus de personnes là. Venez. Bande de couilles. Viens aider. Ou alors. Au moins, je pouvais détecter le moment où elle va cracher du feu, tu vois. Oh fuck, je suis tombé comme un con et j'ai pris plein de points de vie de mer. Ah. Oh, c'est stupide. Faudrait regarder sa hitbox et peut-être la faire tomber d'un cran. Parce qu'en fait, c'est tête qui nous flamme. Oh fuck, what? C'est bizarre comme hitbox, oh la vache. Oh là là, j'ai plus que 3 points de vie. J'ai plus que 3 points de vie. 3 points de vie. Ah oui, 4, fuck. 5. Je peux descendre. Trop là, violent, descendre. Le problème c'est qu'elle régène quoi. Si au moins elle régénérait pas. Enfin qu'elle m'a encore eu aussi. On ne l'aura pas comme ça. Non, on ne l'aura pas. Hein. Même avec la strength. Oh bah en réalité on peut accéder au coffre. Bah ouais. Que je viens de voir. Fuck it. On a les coffres, c'est le plus important, non? Il n'y avait pas grand chose dans celui-là. Oh, hein. Il y avait 5 gunpowder et un Yulian et un Rio Avortia. Un floppy disk. Ouais, faut taper les têtes en premier. Ah! Ah! Ah bah voilà. Ah bah il est là. Coucou ML. Coucou. Les têtes. Il est creusé en dessous lui. Hein. Ah, j'ai plus de points de vie maintenant. C'est vrai hein. qu'on pouvait taper les têtes, mais elles vont plus avoir de têtes en fait si on tape les têtes. Ouais, si on tape les têtes vont repousser. Hein. Ah, comme dans Hercule. C'est une hydre quoi, une vraie hydre. Bah oui. Une vraie de vraie. Bon, est-ce qu'on remettrait pas ça à charge de revanche? Non! Je vais me la faire! Je sais pas où elle est centrée, hein. J'essaie de la faire tourner pour voir où est-ce qu'elle est centrée, mais... Bah en fait, je pense que... Elle est trop grande. Quand elle tourne, son sidebox tourne aussi. C'est sûr. Je pense, hein. Parce que quand j'essayais de la taper tout à l'heure, quand elle a bougé d'un côté... je pouvais plus la taper, qu'elle venait de bouger. Bon, moi je dis... Bateau en retraite. Rip ML. Bon, vu que t'as tué Edo juste avant la bataille, qui ira rechercher ton stuff tout seul. Exactement, c'est ma punition. C'est pas grave, on reviendra la voir, ce titre. Ouais, faudra qu'on retourne la voir, mais avec l'arbalète pour voir ce que ça donne. Avec l'arbalète et un peu plus d'armure. Que l'arbalète, en vrai, et elle même est pas si compliquée de que ça, la fire resistance, on peut en faire aussi. C'est là juste deux têtes, en plus, oui. Donc elle peut juste attaquer deux personnes à la fois, normalement. Ah non, normalement, elle a trois têtes, hein, l'hydre. Mais ouais, par contre, avoir résistance au feu, ça pourrait grandement nous aider hein, pour l'hydre. Ben, on peut en faire, normalement. Fire resistance, Fire resistance, c'est pas comme les autres. C'est, il faut une snowberry et de la magma cream, quoi. Magma cream Magma cream, ça peut être faisable. Parce que, attends, ouais, mais que c'est la snowberry, par contre, il faut un full fruit de snowberry. Ah oui. Pour une potion de résistance au feu, ils l'ont prévu le coup en fait. Hein. Ils savent bien que la plupart des trucs qui font vraiment mal font des dégâts de feu et du coup, bah, le seul truc de résistance au feu, ils l'ont rendu difficilement craftable. Ouais, mais du coup, ils se disent non, il faut que les boss continuent d'être impossibles à le tuer, c'est ça leur esprit. Oui. Parce que moi, j'ai trouvé une zone où il y a des spawners à Blaze, hein, si on veut se faire de la Blaze Radin. Il y a des Blaze Radin dans un coffre. Il y a une potion de résistance au feu dans l'alambic. Ah oui, c'est vrai qu'on avait une potion de résistance au feu. Oui. Elle dure combien de temps? 39 minutes. Non, ça doit être une 3 minutes ou 8 minutes, je sais plus. Mais c'est bon ça en fait, parce que le gros des dégâts de l'hydre, c'était juste les flammes en fait. Hein. Ouais. Franchement, ML, je sais pas si tu peux confirmer, mais quand elle nous attaquait, je sentais rien de dégâts à chaque fois. Moi. Non, c'était juste le feu qui nous faisait mal. Oui, c'était le feu. On se vengera dans un prochain épisode. Yes. Ouais. Je suis à la maison. I'm home, bitches. I'm home. Sinon, c'est pas compliqué de transformer la potion de résistance au feu en 8 minutes. On a au moins une potion de résistance de feu en 8 minutes qu'on pourra avoir. On peut la transformer en splash en la faisant cuire juste dans un feu. Donc on pourra avoir tous genre 6 minutes de résistance au feu. Ah bien. On fera ça alors. Sympa. Prochaine fois on se fera vraiment leader. Mais en attendant, je pense qu'il vaudrait mieux continuer un petit peu le modèle, essayer d'avoir peut-être des meilleurs trucs pour l'attaquer. Bon ben, merci à tous d'avoir regardé du coup. On va rester là. Et n'hésitez pas à laisser votre avis. N'hésitez pas à critiquer ML.
Oui, critique ouais. ML, à fond. Il a gâché notre attaque, honteux, choqué, déçu. Il n'y a pas de problème. J'assume l'entière responsabilité de tout carrément. Ça. Bon, ben, merci à tous. Pouce bleu, pouce rouge, commentaire. Et on se retrouve donation très vite. PayPal. Utip. Utip. Tout.